En 2016, l'effectif minimum détecté d'ours était de 39. Pour 2017, il s'élève à 43, répartis en deux noyaux. D'un côté, les Pyrénées occidentales, le Béarn, et de l'autre, les Pyrénées centro-orientales, entre Luchon et l'Andorre. 40, ce n'est pas suffisant pour maintenir une population à moyen terme. Et deuxièmement, dans ce secteur des Pyrénées, on parle là du Béarn, il n'y a que deux individus qui sont deux mâles. Donc il n'est pas difficile d'imaginer qu'on est là au seuil de l'extinction de l'espèce. Au-dessus de Pau, les deux mâles n'arrivent pas à établir le contact avec les ours du groupe des Pyrénées centrales. C'est pourquoi Nicolas Hulot a promis l'introduction de deux femelles en Nouvelle-Aquitaine, promesse qui a provoqué la manifestation des éleveurs il y a une quinzaine de jours. Et de plus, le ministre vient de signer un plan Action Ours concocté par le Muséum d'Histoire Naturelle qui court jusqu'en 2028. Le rapport préconise la translation de nouveaux ours vers les Pyrénées. Les agriculteurs, voilà comme une nouvelle provocation. Une fois de plus, c'est les idéologues de l'écologie qui ont le vent en poupe et qui vont nous mettre des ours dans les montagnes alors qu'il n'y en a pas besoin. L'élevage en montagne n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'être accompagné peut-être. Mais surtout pas de prédateurs qui vont à l'encontre de notre savoir-faire, des années, des siècles de pastoralisme dans les Pyrénées. Le but du nouveau plan est de constituer un groupe d'une cinquantaine d'ours en mesure de se reproduire et d'établir des liens entre les populations orientales et occidentales. Avec un minimum de 43 ours détectés et des réintroductions annoncées en automne, l'objectif se rapproche.